de fil et de bois, une branche qui s'allonge, mensonge. Citrouille et Alain s'oublient le temps d'une danse. Minuit, dit la lune. Est-ce que je peux me réserver une Pauline, tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu dessines? En fait, moi, mon thème, c'est Podane. Et comme elle part avec ses trois robes, bah, je dessine les trois robes. Est-ce que tu peux nous lire ton haïku, Léonie, s'il te plaît? Belle est la dame, pleine de bonté, elle le fait se métamorphoser. Merci. Et donc là, tu as dessiné... une rose. Et Maxence, lui, tu as choisi de faire quoi? Le petit soldat de plomb. Ah, c'est original. Pourquoi tu as choisi le petit soldat de plomb? C'est celui que je connais le mieux. Ah, bien. Est-ce que tu peux nous lire ton haïku, s'il te plaît? Il est rigolo en plus. Oui. Vas-y. Il y a un grand coincé dans le lit, il a mangé des petits beurres, mais il a fini comme un biscuit. Émilie, est-ce que tu peux nous dire comment tu as réussi à faire la peinture? En fait, on l'a fait avec de l'encre. Et après? Après, c'était pas encore sec, et bien, on a mis du sel pour que ça passe comme ça. Tu es contente de ta couleur, là? Oui. Ça va diffuser. Ne touche pas. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu es en train de faire là? Je vais mettre du sel sur le bois pour faire aussi avec des reflets de fleurs. Pourquoi ça fait quoi le sel quand tu le mets sur l'encre? Ça fait des genres de bulles et ça change la couleur. Non, ça change pas la couleur. Ça fait fleur. Bonjour Thomas.
Alors les filles, est-ce que vous connaissiez les haïkus ? Non. Non ? Ça vous a semblé dur ou facile d'en écrire ? Trouver déjà trois phrases, donc c'était un petit peu difficile. Mais après, quand on connaît bien le texte, après ça vient tout seul au bout d'un moment. C'est vrai ? Et vous avez préféré quoi ? Alors, l'écrire ou le dessiner ensuite ? Le dessiner c'était difficile et le trouver pour les mots. Déjà, il faut les trouver pour l'écrire et il faut les aussi faire l'illustration et il faut les aussi la trouver, donc c'était très difficile. Après, ce qui était bien, c'est qu'il y a plein d'élèves qui aidaient les autres, qui ne trouvaient pas, donc ça c'était chouette. Moi, j'avais pris au début les trois petits cochons et après j'ai dû changer parce que j'y arrivais pas. T'avais plus d'idées avec la princesse au petit pois ? Oui. Moi, j'ai pris mon conte préféré. La Belle et la Bête ? Oui.